3M dans le mois, il a fait. Maintenant, c'est des gros manges à sa femme. Il a poussé plus d'une photo. Mais jamais les mains dans la fin de fumée, tout cas t'as poussé. Moi j'ai mis tout ça dans le SUV. Becky ou bien Aïcha. Moi dans tout. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, check I300. Ouais, ouais, ça va ou quoi, les gars? Calme, mon gars. Déjà, on est où là en fait? On est à Lilo, quartier central de la ville. Il y a deux côtés de la ville. Un quartier un peu plus chic, on va dire. Il y a notre côté de la ville, tu peux voir. Ouais, Lilo, Yuri. Et là, c'est le quartier de la ville ici. On va monter sur Pablo, Alsace, ensuite, tu connais. Vas-y, je vous laisse un petit peu vous présenter déjà. Moi, c'est Staline, je connais, originaire de la ville depuis tout petit, je suis né ici. Mon frère chez moi est là. NZ, NZ12, originaire d'ici. Yes. Putain, il faut que j'en mette ça. Co est sorti, oh no. Codé comme Kobe. Puisque je t'ai promis, c'est faux. Je sais qui te fournit. Tato. Ça s'est formé comment le groupe en fait ça? De base, c'était un petit collectif, t'as capté. On était pas mal dans le groupe. Plus on a grandi, plus les choses sont devenues sérieuses, mon ref. T'as capté ou pas? C'est ça, vas-y, c'était quand les premiers clips, les premiers trucs comme ça, c'était... On a commencé jeune, nous, quand même. Ouais. On a commencé très tôt. Au début, on faisait des clips avec un mec, c'est notre poteau à nous. Et après, voilà, là, on avait Mirador, je sais pas si tu connais Mirador Productions. Ouais. S.O. Mirador. Mirador, Shalom. On fait des sales trucs. Pour l'instant, c'est ça, hein, niveau clipper, c'est ça, mon gosse. Je voyais un clip, vous avez sorti un Féfé et tout en plus. Ouais, pas de CDI. Pas de CDI, disponible sur YouTube. Pourquoi pas de CDI en fait? Bah, c'est ça, mon ref, train de vie, hein, Shalom. Les bosseurs, ils ont pas de fiche de paye, mon ref. Que du cash, c'est réel. Pas de rip chez nous, mon ref. Et vous avez clippé où en fait? Dans le quartier? Enfin, dans le quartier, on a fait un peu partout, regarde, là, on a fait sur ce toit là. Le toit de Banks. Juste là. Après, on a fait. Franchement, on l'a fait un peu partout dans la ville. On a fait un peu les endroits où on va aller. Déjà, en plus, on est à Levallois. C'est une ville, c'est connu parce que le maire, c'est un grand bandit. Ouais. C'est un bandit, c'est un escroc. Il est impliqué. Il est réellement impliqué, ce mec-là. Dis-toi, nous, on préfère ce maire-là que la nouvelle. Là. Ouais. Ils mettent des gardiens, je sais pas, ils font quoi. Mais ça va, ici, on n'est pas à plaindre. On n'est pas à plaindre, jamais. J'essaie de sécuriser le quartier à mort, là, depuis le nouveau maire a été élu. C'est de sécuriser le bail, mettre caméra, tout. Mais tu connais, on est toujours là. Hein. C'est ça, ouais. Et généralement, ça se pose où? C'est comment ici? Je connais à l'ancienne, c'était plus ici. Tu vois, moi j'habite dans ce quartier-là, c'était plus ici à l'ancienne. Maintenant, on s'est réfugié plus dans le Banks. Comment dire? Dans l'intérieur, t'as capté, parce qu'ici, ils mettent des caméras partout. C'est-à-dire, tu vas te poser 10-15 minutes, tu connais, ça va débouler. Même garde vraiment l'extrémité de la ville, tu peux même nous croiser sur les quais carrément, t'as capté. Ah ouais. C'est ouais. Moi, t'as capté, on va un peu éparpillé. Comment Levallois, c'est une ville un peu sous-cotée dans le rap aussi, je crois. Il n'y a vraiment pas de visibilité. On n'a pas de visibilité, c'est juste ça qui nous manque, tu connais. Il n'y a que dans le sport, vas-y, les gens ils ont percé. L'autre a le fils à truc, mon fils là. Ouais, voilà. Sur les Manemba et dans la boxe. Ouais, ah, c'est bien. Du beau sport, franchement. Pas trop du monde. Comme t'as dit, hein, le seul truc fort qu'on ait connu, c'était le truc Balkany, mon gars. C'est fiscal. Voilà. Là, c'est la rue de Lorraine. C'est la rue balèze. C'est tout passé dans ces trucs. Bagarre, vol, meurtre, tout. Sur JCR. Juste là, on a un petit centre commercial. Ça fait ghetto chic. T'as capté ou pas ce que je veux dire? Ça fait ghetto chic. Ouais. Centre commercial, tu t'en fasses qu'à la tête. La question que je me disais, c'est I300, ça veut dire quoi en fait? C'est Aptitude 300. T'as capté 300 par rapport au. Parce que le poteau, t'as capté, lui avant, il était matrixé par les Chief Keef, tout ça, Chicago, 300, 3 Ouna. Donc après, on a mélangé ça, son idée avec les idées des humains. Les idées des humains, ça fait 300. Comme tu dis tout à l'heure, de base, c'est un collectif, t'as capté? On était massif dans le truc, tout. On a décidé ensemble le nom du groupe, tu vois. Là c'est plus un collectif, c'est que nous deux. C'est en tant qu'artiste, là c'est vraiment I300 en tant qu'artiste. Vous étiez combien à la base dans le collectif en fait? On était massif, hein, il y avait tous les mecs. On pourrait même pas dire le nombre exact, t'as capté? On était massif. Bon, on traînait dans l'équipe, on était pas de 20 têtes, vraiment on traînait toujours ensemble. Non, on avait 15 qui kickaient, dis-toi. Ah ouais? Imagine les séances studio, t'as capté. Et 15, quand je te dis 15, c'est pas 15 connaissances, c'est 15 blood, c'est vraiment le même gang. C'est une affiliation, tu vois ce que je veux dire? Woo.
la ville, là. Les vrais gars de la ville. Affiliation. La pancarte, c'est pas ici que tout se passe. C'est tout se passe. La tour du M, comme on l'appelle. La tour du million. Les maires de la ville. Ça, c'est les vrais trois chefs. Hein. C'est des gens. Ça va, ouais, il est là, il a son cœur. C'est là, c'est quoi. C'est là où l'argent s'est fait. C'est là où la terre, tu m'as dit. Resserre n'a pas de fiche de paye. Pourquoi? C'est ça. C'est ici. Wow. Ouvrez grand vos yeux. Hein. C'est des gens. Là, c'est ça, c'est mes frérots. C'est mes big sons. Ouvrez grand vos yeux sur eux. Deux squats, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est eux. C'est ça. Vous rappelez un peu, vous, les gars, quoi. Ouais, ça fait un petit moment déjà. Ça fait 2 années, on est dans le rap. Et voilà. Hein. On monte sur un plan. Une bécane de l'essence et l'essentiel. Cramé dans le pex pour CSI. Je te raconte un peu, tu vas saisir. C'est des sommes qu'on encaisse toute la saison. Mais mon tel fait sonner dans la saisie. Alors, vas-y, je t'avais demandé. Il y a d'autres rappeurs un petit peu dans la ville, dans le quartier et tout. Ouais, y a, bah, comme t'as vu, il y a Joe, Ibo, Abdos. Il y a quoi? Il y a Le Corse, Dralik, Big Manager, SO Dralik. Qui est-ce qu'on va dire? Il y a Arez, il y a Stéphane Branché, Loubar, son bon petit. Il y a des projets un peu pour la suite ou quoi? Ouais, il y a un projet, il va arriver là, il est en cours, on est en train de le faire. C'est tout. Hein. C'est tout quoi. Ça va être quoi comme projet? C'est un EP. Un petit EP pour commencer. Juste pour montrer le délire, c'est comment se créer une petite image. C'est carré en fait. Et justement, vous êtes dans quel délire, dans quel style et tout, pour ceux qui connaissent pas, vous êtes... On fait tout. On n'a pas de style particulier, on fait tout. On est parti de la dire, mais on peut tout faire. On fait le plus de trap et de drill, t'as capté. Cette question-là, je l'ai dit à plein, enfin, pratiquement tous les gars qui font de la drill, mais vous en pensez quoi? Que c'est en train de matrixer un peu tout Paname comme ça, là, ça se répand. Ouais, c'est bien, mais quand c'est bien fait, t'as capté. Ouais, quand c'est bien fait. Parce qu'il y a des mecs, ils ont pas de vécu, ils ont rien, mais ils drillent mieux que des mecs qui ont vécu des choses, t'as capté. Exactement, c'est réel. Exactement. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, ça prend bien en France, j'aime bien. À l'époque, avant tout ça, faut qu'on les choque comme Mike Jackson. Et c'est comment? Est-ce qu'il y a des rappeurs un peu qui vous inspirent? Ouais, qui nous inspirent. Vraiment. Nous, on écoute de fou des musiques américaines, anglaises surtout. Y a qui? Y a comme. Je peux dire déjà référence en Amérique, Chief Keef, t'as capté. Pour nous deux, je pense que c'est la même. Chief Keef. On a commencé à base dès le départ. Chief Keef. Il y a trop. NBA Youngboy. Ouais, NBA. Y a qui? K-Glock. Moi je te parle ceux qui nous ont inspirés, hein, ceux qui nous ont niveau ambiance, ça. Parce que comme il a dit, parce que j'écoute NBA, K-Glock, Offset. Parce que pour moi il est tout seul dans le groupe. Offset. C'est ça, hein. M24, t'écoutes un peu? M24, Thriller. Voilà, et tout ça un peu. Hein. Gunna, surtout beaucoup de Gunna, Lil Gucci, Lil Kid, tout ça. Lil Gucci et Lil Kid, j'avais oublié ces deux-là. En fait, t'as capté là-bas, ils sont trop. Ils sont trop capté, j'en oublie, c'est trop oublié. Mais c'est cette partie un peu là qu'on s'inspire, t'as capté. La petite actu en France, ça se fait de plus en plus de faire fitter. Avec les Américains, ça se faisait avant, mais là maintenant plus trop. Mais là maintenant, avec les Anglais, ça commence à. Ouais, bah ouais, ça arrive fort. Parce que je sais pas si t'as capté, mais les Anglais, ils sont plus. Ils ont plus de facilité à aller vers les autres que les street. Ouais. Niveau artistiquement parlant, je te parle pas dans la vie tous les jours. Mais dans le monde de la musique, on dirait les Anglais, les plus proches de ce que je veux dire. Je vous ai demandé, ça voulait dire quoi, I300, mais vos blazes là, vos blazes respectifs, ça veut dire quoi? Déjà, ça vient d'où toi? Staline. Dictature. Moi, je sais pas si tu connais, je sais pas si tu as suivi tes cours d'histoire. Joseph Staline. J'aime beaucoup le personnage en fait. Depuis que je suis petit, t'as capté, les mecs, ils m'appellent comme ça. C'est Stal, tu dis Stal, c'est direct Diesel. Moi, ça vient de ça. Hein. Ça vient de. Eh, moi, c'est parce que lui, là, c'est... toujours des règles. Toujours des règles avec lui. C'est toi, Nezo, voilà. Du coup. Moi, Nezo, c'est mon nom, t'as capté, j'ai juste changé une lettre. Nezo 12, 12, c'est le bloc où je traînais. Nezo 12. Sur JCR. JCR, ça commence. Là, chez moi. Gros sport, ça y 300. Gros bisous à Casper et Moussa enfermé. Ça, c'est le manade. Ja. C'est ça, ouais. C'est le manade Ja. Celui qui s'occupe de nous. Je suis pas seul, il y a Big B derrière. Je suis pas seul. Gros sport, ça de rallye. Ah, bien. Big B aussi.
Et ce Big B, la tête, c'est lui. Hein. Vous, ça va où au studio un petit peu d'habitude? On a l'habitude d'aller à Courbevoie. SOH, le grand H, le grand magicien, c'est toi. Ashraf. On va aussi à Levallois des fois. Ça, c'est secours, t'as capté. Mais sinon, notre base, comme il a dit, c'est là-bas. Notre ingénieur son, c'est H. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut le dire. Notre ingénieur son, c'est lui, c'est H. L'Oxé. C'est L'Oxé que je suis sur YouTube. C'est Emmanuel, 704, je connais. Quoi, t'as déjà fait des clips et tout, non? Ouais, j'ai déjà fait 4 clips et en solo. Donc voilà, allez checker ça sur YouTube. Quand l'Oxé pura, quand le compte est là, combien m'appelle le sang? Fallait foncer là, quand les fausses marques, il prend part à l'assaut. Je vis ton corps de là, je vis ton ferme là, j'écoute pas tes leçons. Je veux le bif, papa mets la tèche, ton corbet là, je préfère gratter le son. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Akai Kai. Parle de STL. Kim Sal. Non, ouais, j'ai déjà fait des clips. Et des trucs qui arrivent ou quoi? Hein? Ouais, des freestyles sur Insta, tu connais, ça arrive, ça va sortir un peu qui là. Le maire, notre maire à nous, c'est lui. Ah oui, garçon. Du 3, hein. C'est important. Ils connaissent. Ils connaissent déjà le Zeblin. C'est le maire. Ils savent déjà la fonction. Vrai, hein. Là, on est au corner. Le fameux corner. Tu connais. Après, bon ici, c'est le triangle. Et on se rejoint tous. T'as capté. Il y a l'épicerie là. La boulangerie là. Et le tabac là. T'as capté. Long. STAL. Le Corse. C'est lui comme rêve. Calme. Life à mon rêve. Le fameux Corse. C'est lui le Corse. Et gang. Putain d'artiste qui va arriver aussi là, prochainement. Moi je bilite, bénéf de la dope. Je m'embellis avec Sénéco. J'en ai fini, Ina sous mon pull. J'en dis panique, t'es qu'une salope comme chut, chut. Tu te fais courser par chut. Cara dans mon cœur, cara sur mon cou, ça guérit ma toux. Cette pute m'a lâché, cette pute reviendra une fois que j'aurai tout. Je regrette, je reviens. Même tes potes ont cerné, ils étaient par terre, t'es resté figé. Au sol. Roulis dans la chop, promets dans mon coq, je place un DJ. J'ai pas des dadames, je vais en bécane, le temps mitigé. J'suis dans le bâtiment, tu rêves de Bora, souvent à gueule. Alsace quartier, SO les chevaux d'Alsace. Alsace quartier. Des fois Adora, négro veut la rue, mais la rue t'aura. Et mon poignet fait AR dans son thorax. Lui, on ta vie, snitch, on ta vie. Tu veux rentrer dans le 3, mais t'es faux à mon avis. T'es une victime sur la scène de crime, tes pompiers te proposent un plaid. Tu me l'aimes, elle est carte. Alors là, là c'est l'équipe de chiffres. C'est fini l'époque des bagarres derrière le collège. Pour du blé dans la cellule, tu connais la sacoche, le pollen, le viton, le bonnet. Le viton, le bonnet. Deux squats, à suivre. Encore. Force, CVS, Kegwa, Jimani, on est ensemble. Tu peux appeler tous tes potes. Ice dans mon lac, ça flotte. Ce soir j'ai shooté un hops. J'ai fait dans ma main de la mousse. Tire de bord et tu tousses. Vas-y les gars, j'ai la dernière question. Elle j'ai dans toutes les vidéos. C'est quoi votre équipe de foot préférée? Une équipe de foot préférée, hein? La capitale. Paris, hein? Obligé, mon. La capitale. Bah non, c'est Tottenham. Tottenham. C'est un mec de là-bas, lui. Lui, il habite pas ici, lui. Il habite là-bas de base. Vas-y, vas-y, c'est bon, les gars. Vous avez des réseaux aussi, on peut vous suivre, tout ça? Ouais. Nezo 12 sur Insta. Nezo NZO 2-du-bas 12. Et sur Snapchat, RZT au bloc. Snap, Staline 923. Et Instagram, c'est Stal 300. Stal.300. On est ensemble. C'est bon, les refs. Merci à vous, hein. C'est carré. On est ensemble, hein. Fort. Comme Martin Luther King, j'ai un dream. À 16h, ça fait boum, ça fait drink. Le négro ne tient pas sur le ring. Get comment je veux play like this. Je la patte avec le poisson, je prends les risques. No, qui sentent la pisse. Quand il répond au phone, j'ai cramé le vice.